Le coup de foudre. Voltage. Salut Stéphanie. Salut Quentin. Bienvenue sur Voltage. Stéphanie, 41 ans, tu habites à Saint-Cloud, tu travailles dans la grande distribution. On joue ensemble tout de suite, sans plus attendre, au coup de foudre sur Voltage avec la première somme qui arrive là, Stéphanie. C'est 54 euros. Est-ce que tu souhaites les conserver, donc les garder, gagner donc 54 euros ou continuer, essayer d'avoir plus au risque de tout perdre à tout moment? Bon, pour là, je crois que je vais continuer un petit peu quand même. Ok, voilà. Alors on vérifie. Et ça passe. Ok, super. Donc, deuxième proposition à te faire, Stéphanie. Ça monte vite, ça monte bien. 168 euros pour éventuellement faire les soldes à partir de la semaine prochaine. On ne te la fait pas. Hein. Pour faire les soldes, j'aimerais bien un peu plus quand même. Un peu plus. Allez, on tente. On risque de tout perdre, hein, Stéphanie. Je tente encore et puis bon, on verra. Une grande joueuse, Stéphanie. Bon, est-ce que tu me valides? Est-ce que tu me valides? Je valide. Ça okay. Oui. On vérifie, Stéphanie. C'est bon, ça passe. On est donc dans un jour de chance. Troisième somme maintenant, c'est 327 euros. Et là, ça commence à grimper, Stéphanie. 327 euros. Est-ce que pour les seuls, c'est suffisant ou pas? Je pense que c'est pas mal. Après, la chance va peut-être avoir ses limites. J'aimerais bien faire les soldes, donc. Bah, elle a peut-être ses limites, mais et ça peut continuer encore plus haut. Ouais, mais là, j'ai jamais gagné de ma vie à la radio. Je pense que 327, c'est super. Et je crois que Quentin, je vais m'arrêter là. Tu crois ou tu es sûre? Je suis certaine. Non, comme ça au moins. Je pourrai en profiter la semaine prochaine et ça c'est sûr. On arrête là, on va pas le regretter. Bah non, on arrête. Non. 327 euros, c'est dans la poche, Stéphanie. Super. Merci d'avoir joué super avec nous. Tu vas pouvoir faire les soldes et acheter plein de trucs. Prends des trucs en solde, hein, pas les trucs non soldés au moins. Voltage. Les hits d'hier et d'aujourd'hui. Podcast.